chez l'air, je l'avoue, à demeurer en place, et de mille soucis mon esprit s'embarrasse, pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors, qui du gobelureau auront beaucoup les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue, de tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue, et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile, et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant jamais je ne la vis si belle, jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants. Jamais je n'eus pour eux de désir si pressant, et je sens là-dedans qu'il faudra que je rêve si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Moi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance, et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants, et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou, quand elle s'amourache, me la vienne enlever jusque sous la moustache, lorsqu'elle est avec moi, mariée à demi. Non, parbleu, non, parbleu. Mon ami, vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai ma foi vos espérances vaines. Et de moi tout à fait, vous ne vous rirez pas. Bonjour, me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitiez faire. Comment faire? Il le faut dans la forme ordinaire. Ah, mais précaution, je veux changer de prêt. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point de peur d'être déçu, quittant c'est le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet incident par la ville on le cause. Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat, et l'on peut en secret faire votre contrat. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle on sorte? Le douaire se règle au bien qu'on vous apporte. Je l'aime, et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure? L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qui est là, mais cet ordre n'est rien, et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Et si... Pour le précipite, il les regarde ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future. Il faut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger, et cela par douaire ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trépas du sel, ou sans tour qui va de la dite à ses noirs, ou boutonnier selon les différents vouloirs, ou pardonnation. Dans le contrat formel qu'on fait, ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Pourquoi hausser le dos? Et ce qu'on parle enfin, c'est que l'on ne sait pas les formes d'un contrat. Qui me les apprendra? Personne, je présume. C'est pas qu'étant joint, on est par la coutume. Comment un meuble gay ne faisait conquête? À moins que par un acte d'y renoncer exprès. C'est pas que le tiers du gain de la future en tant que communauté pour... Oui, c'est chaussure. Vous savez tout cela. Mais qui vous en dit bon? Vous, qui me prétendez faire passer pour soi en me haussant l'épaule et faisant la grimace. La peste soit fait l'homme et sa chienne de face. Adieu. C'est le moyen de vous faire finir. Pour dresser un contrat, n'a-t-on pas pu venir? Oui, je vous ai demandé. Mais la chose est mise. Et l'on vous demandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'or avec son entretien. Je pense qu'il en tient, et je crois qu'on sait bien. N'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître. Mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est pas un fou. Approchez-vous, vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis.
Et j'en sais des nouvelles. Le notaire. Les gens, c'est pour quelques autres jours. On veut par mon honneur sourire d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait être si on avait compté l'honneur à votre maître. Vous oseriez après paraître en un endroit, et chacun vous voyant vous montrerait du doigt. Donc, puisqu'on tente moi l'affaire immoriable, il me faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon. Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais assez bon discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement, alors mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot. J'en jette ma mignonne qui me paraît si douce et si bonne personne. Vous êtes un ego. Quel mal conçu dans un dessin honnête et toute la vertu. Vous êtes un fripon. Ma mort est sûre, et si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes abonné à la putain. Très bien. Je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert à en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, j'en jette un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Attends! Bon, ça! Bon, voilà! Assez! Je ne sais pas comme il faut. Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant, nous recommencions? Pas, suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dites rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Aidez bien la vie à tout et secondez mes soins. Je veux, pour espion qui soit d'exacte vue, prendre le sabotier du coin d'automne. Dans la maison, toujours, je prétends la tenir. Y faire bonne garde. Surtout en bannir vendeuse de rubans, perruquière, coiffeuse, faiseuse de mouchoirs, grandière, revendeuse, tous ces gens qui sous-main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut entrer. La presse m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens d'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès qui, des arbres prochains, prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui c'est mauvais et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée deux vases dont la belle ornesse a cheminé. Et sans doute il faut bien qu'à ce bête cornu, du trait qu'elle a joué quelques jours, soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet sans dire son ennui, est sorti de la chambre et moi de mon étui. Nous n'avons pas voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé.
mais je dois cette nuit, dans sa chambre un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par trois fois, je me ferai connaître, et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle, et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. La maigresse du cœur s'augmente à la répandre. Écoute à qu'on s'en fait un bonheur trop parfait. On n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Qui s'obstine à me désespérer, ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence. Et je serai la dupe, en ma maturité, d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de perte avec les autres fronts. Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique. Et comme si du sort, il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté. Après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir dessus cette matière, après 20 ans et plus de méditation, pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Bourreau du destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit qu'on prend pour ce galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit. Mais quelques plaisirs parmi tant de tristesses que l'ombre d'un avis du piège qu'on me dresse et que cet étourdi qui veut mettre au fatal fasse son confident de son propre rival. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement, quel chagrin sont les vôtres? Serait-il point qu'on perd à votre passion d'arriver quelque peu de tribulation? Je le jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous effarouchiez toujours sur ces matières. Quand cela vous met-il souvent un bonheur, et ne conceviez point au monde d'autre honneur? Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien, à votre avis, auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. À le bien prendre, au fond, pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire et qu'une âme bien née ait à se reprocher l'injustice dans un mal qu'on ne peut empêcher? Et pourquoi voulez-vous, dis-je, en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme et qu'on s'aille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut, du cocuage, se faire un galant homme une plus douce image. Que des coups du hasard, aucun n'est en garant. Cet accident de soi doit être indifférent. Et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Et pour se bien conduire en ces difficultés, il y faut comme en tout fuir les extrémités. N'imitez pas ces gens un peu trop débonnaires qui tirent vanité de ces sortes d'affaires. De leurs femmes toujours vont, citant les galants, en font partout des loges et prônent leurs talents, témoignent avec eux d'étroites sympathies, sont de tous leurs cadeaux, de toutes leurs parties, et font
qu'avec raison, les gens sont étonnés de voir leur hardiesse à montrer la leur nuit. Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable, mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde et qui, par cet éclat, semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux parties, il en est un honnête. Dans l'occasion, l'homme prudent s'arrête, et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir du pis dont une femme avec nous puisse agir. Quoi qu'on en puisse dire, enfin, le cocuage, sous des traits moins affreux, aisément s'envisage, et comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés, ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez. Il faut jouer d'adresse et d'une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tu seras de rien. Vous pensez vous manquer ? À ne pour rien feindre, dans le monde je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de deux choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites, que de me voir mari de ces femmes de bien dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien, ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, se retranchant toujours sur leur sage prouesse, qui pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent droit de traiter les gens de haut en bas, et veulent, sur le pied de nous être fidèles, que nous soyons tenus à tout endurer d'elles. Encore un coup, compère, apprenez qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait. On peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tenter. Et plutôt que subir une telle aventure... Mon Dieu, ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien sans vous faire bravade, qui de mine, de cœur, de bien et de maison ne feraient avec vous nulle comparaison. Et moi, je n'en voudrais avec eux faire aucune. Mais cette raguerie en est bon, n'importe où. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en cours, nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoi que sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'était à demi ce que l'on vient de dire que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que, vous savez, ne me faites pas de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrer par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre. Que tous deux, à l'envie, vous chargiez ce traître. Mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qu'il lui puisse apprendre à n'y plus revenir. Sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux ? Si le tient à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je passe, si j'y vais de main morte. La mienne, quoi, vos yeux, elle n'est pas si forte, n'en quitte pas sa part à le bien édrier. Rendez donc. Et surtout, gardez de m'habiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevaient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand.